Tu me délivres de tous mes ennemis, tu me fais triompher de l'agresseur, Seigneur, tu me soustrais à la violence. La première lecture est tirée du livre du prophète Daniel, chapitre 3, versets 14, 20, 91, 92 et 95. C'est l'histoire de Daniel, plutôt de Sidrach, Misach et Abednego, qui sont mis dans la fournaise parce qu'ils sont loyaux avec leur Dieu. Le cantique, c'est le cantique de Daniel, chapitre 3. À toi louange, gloire éternellement. L'antienne de l'Évangile, heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 8, versets 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. » L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes de la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre père. » Ils lui répliquèrent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, nous voyons ces trois jeunes qui sont dans la fournaise parce qu'ils veulent garder confiance au Seigneur et ils ne veulent pas se détourner de lui. Et on voit que Dieu prendra soin d'eux et qu'il les fera sortir vivants de la fournaise et que c'est important de faire confiance au Seigneur et à Dieu. Dans l'Évangile, si vous remarquez, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui. Donc il s'adresse déjà à des gens qui croient en lui. Et il leur dit pourtant qu'ils ont des doutes. Donc ça veut dire que leur foi, elle n'est pas pleine et qu'ils ont des réticences. Il nous faut, eh bien, nous aussi, nous qui disons croire et sommes sûrs de notre foi, eh bien, il nous faut faire grandir en nous cette foi et l'affermir, la solidifier par la prière, par l'écoute de la parole, par... un tas de choses, mais aussi par le regard vis-à-vis du frère. Dans ces temps qui sont compliqués, eh bien, il nous faut aussi prendre soin de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont seuls, de ceux qui sont malades. Donc n'hésitez pas à vous appeler les uns les autres afin de constituer une chaîne. Si chaque personne appelle une ou deux ou trois personnes dans la journée, eh bien, il pourrait y avoir une solidarité qui se ferait.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu et surtout, restez chez vous.